Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette page spéciale Parc Sommet de la Ligue arabe, avec cette vidéo qui a défrayé la chronique en tout début de semaine. Ahlan wa salam, salam alaikum, bikhair, fi amallah, barakallahu fik samjin. Alhamdulillah, impeccable, tout va bien, merci beaucoup. Ça, et Dieu sait que son excellence, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, je la fais courte, Nasser Bourita, dans sa belge là-bas en soie en bordure dorée, sa copie est juste parfaite, ne rien montrer, rester au-dessus de la mêlée, irréprochable, d'Imam Rabbi, marocain à l'infini. Personnellement, si j'étais à sa place, ça va au Jattaro, bikhair, ouah, ça a bien choumé, donc ça a fait comme une chlitium bab l'aéroport. Moi non, ça se fait pas, khoya. Ouais, les Algériens, apprenez à faire comme les Égyptiens, qui flic. Chaque journaliste par équipe de trois, à chaque événement international organisé sur son territoire. Alors, quand on voit la cartographie des chefs d'État présents et ceux absents, une seule expression nous vient à l'esprit, le silence est roi. Parmi les absents, citons Mohamed bin Salman, Mohamed bin Zayed des Émirats Arabes Unis, Ahmed bin Issa al-Khalifa du Koweït, Abdullah II de Jordanie, le roi Mohamed VI et de l'autre, Mohamed Ould Ghaznawi de Mauritanie, Qais Saïd de Tunisie, Mohamed el-Sissi, président d'Égypte, Mahmoud Abbas de la Palestine, and last but not least, Tamim bin Hamad al-Thani. À noter, sans faire de lien de cause à effet, qu'à part l'Égypte, qui n'est pas une monarchie, aucun État sur ma droite, incluant l'Algérie d'ailleurs, n'a encore normalisé ses relations avec Israël. J'ai dit, sans vouloir faire de cause à effet. Oui, oui, président. Je suis venu au politique international. Et ouais. Que je me contente de lire le prompteur. Bien. Bien, président. Les amis, on a réparé le prompteur. Non. Pour conclure, et à l'issue de ce sommet, la déclaration d'Alger qu'ici nous allons comparer avec la déclaration de Tunis à l'issue du sommet 2019. Alors, la déclaration d'Alger a réaffirmé en premier paragraphe, l'importance de la centralité de la cause palestinienne, du soutien absolu au droit inaliénable du peuple palestinien, y compris son droit à la liberté, à l'autodétermination et à l'établissement de l'État de Palestine indépendant en retour des réfugiés, etc. À titre comparatif, lors du sommet de 2019, la cause palestinienne a été défendue en deuxièmement et sans jamais utiliser des termes comme « retour des réfugiés », « autodétermination du peuple palestinien » et surtout, le roi Mohamed VI a été félicité en tant que président du comité Al-Quds. Ah, la diplomatie marocaine à Alger comparée à celle de Tunis, la Tunisie de 2019, hein, pas celle de 2022, ce ne sont pas les mêmes relations de bon voisinage. Par contre, et c'est là où on peut féliciter la combativité des équipes de Nasser Bourita, ils ont réussi à placer toujours dans la déclaration d'Alger, en deuxièmement, paragraphe premier, je cite, « ils appellent à renforcer l'action arabe commune de manière à préserver l'unité des pays membres, leur intégrité territoriale et leur souveraineté sur les ressources naturelles à la hauteur des aspirations de leur peuple à une vie décente. Leur souveraineté sur les ressources naturelles, pas sur leur territoire. Qu'à cela ne tienne, en réponse à Alger, le roi Mohamed VI a invité le président algérien pour une visite officielle dans le royaume et Mohamed bin Salman se fera une joie de recevoir le 32e sommet de la Ligue arabe en 2023. Dis-moi la régie, tu peux nous réserver ouais, deux chambres, s'il te plaît, au Ritz-Carlton? Non, c'est pas pour moi, c'est pour les journalistes stagiaires. Ouais. Bah oui, en espérant qu'ils nous reviennent en un seul morceau. On parlera lors du prochain Moïm de l'info de la cherté de la vie et de la latte finance 2023. Mais pour l'heure, le dernier classico du Wydad et du Raja a été plus mouvementé à l'extérieur du terrain que devant la pelouse. Ah. En termes d'after et de before, les amis du football sont au moins au même niveau que les amateurs de musique électronique. Alors effectivement, ils ne jouent pas dans la même catégorie en termes de stupéfiants. Qu'à cela ne tienne, nous avons suivi durant ce classico un policier stagiaire chargé de la sécurité du public. C'est la fiction de la semaine concoctée par Youb Soubar.